Et re sur Twitch, et bonjour à toi YouTube, on se retrouve dans l'épisode Factorio, le premier let's play que je fais sur ma chaîne, il y en aura d'autres, hélas, puisque je suis accro à ce jeu. Et c'est le 49e épisode, mais que s'est-il passé? Eh bien, on a fait de l'acquisition de territoire. Je reprends, notre base primaire était ici, on a pris du coup à l'artillerie, on a pilonné aujourd'hui, ce dimanche, pilonné toutes les bases aliens, et on a muré, et là c'est triste, mais bon là c'est des biteurs hein. On a le droit, les biteurs, quand même. On avait un problème d'alimentation aussi de pétrole, mais j'ai trouvé la panne. J'ai trouvé, c'est là. Il faut que ça vienne, voilà. Donc c'est pas mal, nos défenses sont faites. On a repris un peu de fer, parce qu'on a vu que pour la science, on manquait d'acier pour faire le pack de science violette. Donc on extrait tout ce qu'on peut, on essaye de ramener tout ce qu'on peut. C'est énorme. Tout ce fer, ce métal, comme dirait Bob Lennon. Voilà, tout ce bazar, c'est pour nourrir la grosse Bertha, notre bus à nous. Ah, écoutez, pour l'instant, c'est ça. Et on, côté opération plaque de fer, bah, ça marche, puisqu'on sature. Mais on sature, mais pas assez vite. Pour faire, hélas, plus. Après, je peux mettre des modules de productivité 3, mais on va consommer en électrique. Et c'est là que ça drame, on monte, on sait qu'en journée, on va à 500 mégawatts. Alors on va être feignant, on va prendre la centrale nucléaire de Nilos dans son blueprint, mais nous, on va par contre enrichir, on va extraire l'uranium, et on va l'enrichir, et ça c'est grâce à un youtubeur, j'ai regardé son tuto, il s'agit de toi, Danico Gaming, je vous mettrai ça en lien sur le live, et en lien sur le VOD bien sûr, mais on va d'abord l'extraire, le raffiné par centrifugeuse, et après on va l'enrichir, et après on va mettre dans une centrale nucléaire. Est-ce que j'ai le temps en 45 minutes? Je ne sais pas du tout. Mais en tout cas, on a de quoi faire. Ah oui, et pour le fun, j'ai demandé à ce qu'on pose, évidemment, l'artillerie, que ça pète de partout. Ça arrive, les coffres et les canons. Les canons. Nom d'un petit robot. Qu'est-ce qu'ils amènent, eux? Pareil, ça va pilonner de toute façon. Alors, je regarde un peu. On va déjà étaler un peu notre science. On voudrait que ce soit fait proprement. Pour extraire l'uranium, il faudrait quand même boucher la flotte. On a deux spots. On a besoin que d'un, en fait. 3 millions suffisent largement. Donc, entre l'acier pour plus de science et énergie pour être serein la journée et la nuit. On va voir ça. Est-ce que j'ai encore besoin de ce mur d'enceinte ? Si ça pète, là on a tout un spot où on pourrait s'étaler. On va le faire. Est-ce qu'on prendrait pas en mémoire? Attention, pouf! Voilà, là on pourrait extraire tout ça et virer. Voilà, s'il y a du bleu, c'est que c'est pas utile. Je réfléchis. Oh, on peut le faire à la main, on va pas en mourir. Si. Voilà. Écoute, je l'ai fait. Hop, on va effacer ce qu'on n'a pas besoin avant qu'ils arrivent. On n'est pas loin du bus, donc prudence. Ici, il n'y a pas besoin. Ok, là c'est bon. C'est quand même sympa le blueprint. Là non plus, uranium. Donc pour l'instant on commence par extraire l'uranium, c'est super sympa. Après on a la migraine, hein. C'est promis. Et si vous comprenez pas dans le chat, j'irai le plus lentement possible. Peut-être. Pour être le plus clair. Là c'est ok, je revérifie partout. C'est propre. Ça m'a l'air pas mal. Maintenant, on veut de la lumière. Faut pas hésiter. Ça fait du bien. Voilà, les petits bobies électroniques arrivent. On les aime beaucoup. Oh, et quand Nova Roma sortira, je vous raconte pas les parties qu'on se fera. Pour ceux qui connaissent Kingdom Hearts Castles, évidemment. Ça, c'est ok. Bon, on extrait un premier champ de 21 millions d'uranium.
Alors, en fait, Alex, Korn, puisque tu es là, ta centrale a explosé ou pas? Ou ça a marché ton cloisonnement de panneaux solaires? Parce que du coup, tu mets le nucléaire en journée, t'es obligé de cliquer, tu fais un truc logique. Nous, on va voir si ça pète, hein, on s'en moque. Ils attendent les obus, je surveille en même temps. Ils en amènent. Oh, ils sont sympas. Ah, le temps qu'ils amènent des mineuses, surtout, on va rigoler. Oh, la douille qui explose. Marche bien, hein. Mais il la monte qu'un seul, c'est dommage. Ah oh, comme c'est embêtant. Alors Bobby. Oh, les gros vers qui giclent. Ah, ne pas faire de logique, on pourrait travailler dessus, ouais. En off, hors VOD, réfléchir à ça. On a déjà un problème sur les coffres et les couleurs. Et la revanche de l'insecte. Mais nous on fait des barbecues. Voilà, ça mitraille. Bon déjà, mon système logique de base marche bien. Les coffres bleus, on fait les demandes, ça c'est top. Bon. Tout est ok. Et ce serait bien de faire une connexion quand même, mon cher Tech. On en a ras-le-bol, on en a fait plein. Mais on va essayer de finir ça quand même le plus proprement. Allez. On fait une vraie connexion logique. Pour l'Empire! Pour l'Empire. Ouais. Pouk! Pouk! Alors, on va faire une petite connexion sympatoche. Pas trop dégueulasse, comme dirait Monsieur Poulpe. Hop, et hop. Voilà, là, on va dire qu'on a un réseau. C'est bon. On est bien. On revient à notre nucléaire. Et je vais essayer de me masser le crâne. Hein, on va y aller. Et si je me trompe, vous me reprenez, évidemment. On va connecter le réseau électrique. Voilà, on a une connexion ici. Enfin, une deuxième là. Paf. 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 Je vais regarder dans mon magasin, grâce au blueprint de Nilos, qui m'a évité une migraine aussi, est-ce que j'ai des réacteurs nucléaires d'avance? Petit détail qui tue, les amis. Oui, on a des centrifugeuses et on a des réacteurs. Des réacteurs, j'en ai combien? Alors, on a un problème. On va y aller. Pourquoi je ne vois aucune centrifugeuse? Je vois que des trucs de refroidissement, pour les centrales, j'en ai une centaine. Là, je me fais peur. Hein. Qu'est-ce qui vient, là? Cuivre, acier, c'est bon. Tuyau, oui. Oui. Ah, parce que je vois. Ils ont pris bêtement, tout de suite. Voilà, on va les enlever. On va les remettre. Ils ont une carte verte en main. C'est ça qui doit bloquer. Le temps que mon araignée arrive... Voilà, on enlève la carte verte, merci. Et on remet un nouveau bras bleu. Et en même temps, je vais contrôler pour la prod. On va configurer le nombre qu'on veut de centrifugeuses. Il va me falloir des bras verts, blancs, aussi pour le Covarex. Est-ce que j'en fabrique? Du blanc, j'en ai un peu en stock, j'en ai une cinquantaine, c'est bon. Des bras verts, oui. Est-ce que j'en ai sur moi? Donc ce bras robotisé haute capacité est filtrable, il servira pour l'enrichissement, puisqu'on pourra dire ce qu'on veut en uranium, je vous expliquerai ça après, il y a deux sortes d'uranium. Mais déjà il faut l'extraire. Et lui, bras haute capacité, impec. Et pendant ce temps-là, science spatiale, 50%, c'est un peu mieux. Comment ça se passe les moves? Ça fait quand même plus de rails, hein. Ouais, il y a quand même beaucoup, beaucoup plus d'acier. Voilà, c'est quand même mieux. C'est ce qu'on voulait. Bon, ce qu'on a fait là, c'était pas négatif, hein. C'est suffisant, ça peut tenir la route. Allez, on va garer un peu l'araignée. Spider-Tron, Spider-Tron. Oh, alors Nilo, celui-là est configuré, j'en voulais en dessous de 100, oui, mais...
C'est comment dans le coffre, une centaine, c'est énorme. On va exagérer. Peut-être en faire plein. Hein. On va en dire 1000. Voilà, maintenant il va travailler. Ah oui, ça consomme un max d'acier encore, ça. Ça manque d'acier. On va demander, je sais pas, 400 centrifugeuses. Pourquoi tu ne prends pas l'acier? Voilà, il était bloqué. Et il n'y en a plus. Pas en sortie prioritaire, c'est ça qui bloquait. Mince. Le cuivre est une gêne. Donc la bêtise, c'est là. J'ai une petite correction à faire. J'avais fait un bidouillage. Voilà, on va laisser faire. Ici, 4. Non, tu vas en faire une vingtaine. On verra après. Il n'y a pas de circuit rouge. Pourquoi il n'a pas de circuit rouge? Ah, il faut tout vérifier. Parce que c'est du bidouillage là encore. J'avais fait des bidouilles mais sans réfléchir à les sorties. On apprend, hein. On apprend. Hop. Voilà, ça c'est ok. Donc le circuit rouge ici, ça marche pas. Mais il m'en faut. Eh ben écoute, hein, on va voir ce qu'on peut faire. On va récupérer ça. Là c'est pas mal, ça vient ça là. Là, il m'en faudrait ici. Écoute, on va faire ça. On fait une petite boucle, on a l'habitude maintenant. Est-ce que ça va passer? Non, ça va pas passer. Parce que c'est ça qui gêne. Il faudrait donc que ça vienne ici. Ok. Allez, on récupère nos bêtises du passé. Tac, 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 tac. Et voilà, là, on récupère le circuit rouge. Là, ça fait plaisir. Circuit acier maintenant. On avait un problème ici, d'acier. On va essayer d'empêcher. On voit le violet qui passe mieux. Ça y est, ça remarche bien. L'acier est un problème de naissance. C'est une sale histoire pour nous. Et c'est pour faire quoi? Des canonnières en plus? Oh, on va en prendre ici. Hein. On va pas s'embêter. On va pas prendre dans le bus. On va être feignant. Ça passe? Ça passe. Voilà. Si on était courageux, on devrait même retravailler ça. Puisqu'on n'a plus besoin de charbon, en fait. On va virer tout ça. Voilà. On va voir ça tout de suite. Attends, autant y aller dans la joie, hein. Voilà, on va virer l'ancien pattern. Hop. J'avais dit qu'on ferait l'uranium, mais je suis parti sur autre chose encore, tu te rends compte. Voilà. Paf, paf. Plus besoin de charbon grâce au four électrique de tier 3. Ça, c'est topissime. Oui. Petit courant électrique, petite loupiote.
comme on aime. Puis enfin mise à jour ici. Ouais, des bras bleus, hein, puis voilà. Puisqu'on va consommer de l'énergie maintenant nucléaire atomique. Tu n'avais plus de son à Ragatz ? Ouf, les oreilles. Voilà, donc ça revient à flot. Ça y est, là, s'y ressort. Gentiment. On va le laisser faire. Hein. Et du coup, lui, il va être pompé. My God, oh my gosh. Comme ils disent, hop, ça passe dessous. Pouf, ça ressort. Voilà, on s'affole pas, c'est bon. À nous. On retournerait bien à l'uranium, hein. Qu'est-ce que t'en dis, mon tech ? On rappelle le Speedertron, puisqu'on ne veut plus marcher. Allez ! Le circuit prêt, il nous attend. On va faire, évidemment, un balancer de tiers 2 pour l'instant. Paf. Et on va essayer de passer à travers tout ça. Voilà, on reprend chaque piste. Hein. C'est un peu plus compliqué. Hop. Je vois même qu'il y a une pointe de courant. Pourquoi j'ai un problème de courant ici ? Voilà, le mur de défense n'était pas au petit. Voilà. Mais là, ici, c'est chez nous. Donc il n'y a plus de problème normalement. On est bon. Ensuite. Allez, on va mettre les petits tapis. On va même upgrader entièrement en tier 3, s'il te plaît. Voilà, il n'y a plus que ça. Ça, c'est bon. Ici, on va enlever le mur de défense. On n'en veut plus. Oh, cette vague de robots, à chaque fois, ça m'éclate complètement. Et alors 2... 4, 6, 7 lignes. Bon, on va faire une fusion ici. Attends. On va virer ça, on va virer le jaune. Si je pouvais mettre au moins ça. Ça me simplifierait un petit peu. Qu'est-ce que je pourrais mettre? On va enlever le blueprint. J'essaie de me simplifier, hein, je le dis hein, en rigolant, parce que c'est pas toujours le cas. Attends, paf. Paf, paf. Voilà. On va fusionner ces deux-là. Alors, pour l'instant, c'est facile. Allez, c'est parti. Pouf. Et on va remonter, évidemment, ici. Est-ce qu'on fusionne ces deux-là ? Non, mais ceux-là, oui. On va grouper les minerais, on va équilibrer le plus possible. Ouais, c'est léger. Et là, il n'y a pas de courant partout. Hop. Hop. Et du coup, pourquoi il ne marche pas ? Pourquoi ils ne remplissent pas les tapis ? Que j'ai loupé comme info. Ah, il y a un truc qui me dépasse là, quelque chose qui me dépasse. Liquide Rocky. Oh là 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 là. Mais oui, merci. Punaise, il faut de l'acide. Eh ben, c'est l'occasion de tout redéfaire. J'étais parti sur du classique, mais ce n'est pas du classique.
Allez, on nettoie. Misère. Misère de misère. Oui, heureusement que tu l'avais dit que je ne lis pas le chat, Alex. Hein. Je sais. Ah, quelle catastrophe. Pouf. Donc, faisons comme si je n'avais rien dit. Noob attitude totale. Ce n'est pas du normal. On va commencer par celui-là. On va commencer. Paf, 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 paf. Et on va faire une sortie, évidemment. C'est pas grave, on a calculé ce qu'il faut juste après, hein? Vous êtes d'accord? Voilà, c'est là que ça commence le bazar. Allez, on a le bus avec nous. Et en parlant de bus, ça va. On verra comment on fusionne tout ça. Vous savez très bien qu'un youtubeur est sourd, hein, de naissance. Il vous entend jamais. On va se ramener, on va regarder ça de près. Alors. Il faut de l'acide sulfurique. Donc c'est de l'eau et des plaques de fer. Ça tombe bien. Je crois qu'on en produit un paquet de plaques. Et que l'acide tient la route pour la science. Mais il faut de l'eau quand même. Usine de produits chimiques, ouais. On va déjà commencer par en faire 4. C'est pas mal. Je vais me demander comment on va les amener. Juste faire ça. Voilà. Acide sulfurique, on copie. On installe, c'est bon. La flotte maintenant. Est-ce que j'ai une pompe côtière qui traîne dans mon stack? Oui, dis donc. Je vais pouvoir amener de l'eau par là. Voilà. Et je crois que je vais le garder en mémoire ou pas? On va juste faire ça. Voilà. On va voir si on peut remonter ou pas. Oh, c'est passé. Allez, la flotte. Donc ouais, c'est un traitement acide sulfurique, ok, l'uranium. Première étape. Lui il accroche, lui il veut pas. Voilà, on récupère ainsi. Là non plus ça passe pas, on bidouille. Ouais, ça passe là. Alors, en fait, j'ai fait trop tôt. Voilà, on fait la boucle. Et la flotte, pff, voilà.
Hop, on connecte. Je n'ai plus... Non mais, les robots. Soyez sympas, arrêtez. Voilà, et on met le jus. Ça me semble pas mal. Est-ce que vous faites des cuves d'acide sulfurique? Je sais que j'ai toujours de l'acide plus loin, Ragaz, mais je suis un gros feignant. En plus, t'as raison, pour les batteries. Ouais, mais j'en ai que deux, là. Voilà. Un. alors, il nous faut de l'acide, oui. Et puis, comme on a le spider, on va pas s'embêter. Comment ils veulent ça? On va regarder ça de près. On va se mettre là, on va descendre. L'uranium ne tue pas. Ça, c'est la bonne nouvelle. Non. Donc ça, c'est les entrées d'acide sulfurique, je suppose. Je suppose. On va voir. Imaginons. Est-ce que j'ai demandé tuyaux? Mais oui, j'en ai demandé, mais je vais en demander 200, moi. Tout d'un coup... Voilà. Ah bah ils arrivent. Merci pour la livraison. Voilà, donc on va traiter comme ça. C'est parti. Est-ce qu'on peut le dupliquer, celui-là? Non, j'aimerais juste le dupliquer. Voilà. Juste comme ça. Imaginons. Il dit que non, lui. Là, il est OK. Il dit que c'est pas possible ici. Ah, attends, j'ai pas assez serré. On a déjà le tuyau d'acide sulfurique. Voilà. OK. Ça, c'est OK. Je pense que ça nous plaît là. Là, c'est bleu, on peut plus faire. Et comme ça, on a la sortie propre. Oh, on pourrait aller plus loin. Attends, on va raser ça. Hein. On veut extraire tout, 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 tout. Voilà, ça a démarré d'ici. Voilà, il fait que ce qui est utile, donc là, on va supprimer ça. Je pense que le courant est OK. L'acide sulfurique, on va voir si ça tient la route. Là, évidemment, non. Voilà. Ça marche ou ça marche pas? Manque d'ingrédients. J'ai oublié quelque chose. Hein. J'ai pas lu le chat, j'ose pas lire le chat. Est-ce qu'elles peuvent communiquer entre elles pour l'acide? Oui. Là, ce que j'ai mis en commun derrière, là. Oh ouais, il y a des tuyaux partout. Ça, c'est commun. Mais alors, je veux comprendre pourquoi ici. Est-ce que j'ai bien pivoté? Ben oui. Parce qu'il te faut du soufre, triple buse. Oh, je te jure. C'est ça. Ah, j'aime bien mon innocence. On va purger le fer. Il te faut du soufre, mon tech. Ok. Plaf, je ne fais que passer. Et on va calculer le soufre, du coup, pour qu'il arrive. Bah, comme lui, hein. Voilà, pour moitié. Comme ça. Et du coup, le soufre, on va monter. Le bus est par là. Oh, le bus est là. Misère. Est-ce qu'on peut passer par là?
On va passer ici. Voilà, on va faire semblant d'être heureux, ne pas se prendre la tête. Et ça va aller. Tac. Tac. Ah, c'est beau ça. Voilà, le soufre vient joyeusement nous rejoindre. Et on le veut. J'ai pas bien l'envers. Non, on est bon. En fait, on perd plus de temps en préparatif. Hein. En science blanche, c'est ok. Ça tombe bien. Qu'est-ce qu'on voudrait ? Bah, tout ça, c'est du futur. Faut de la science blanche, donc c'est interdit. On va pouvoir upgrader du coup nos vitesses d'obus d'artillerie, la portée d'artillerie. Productivité minière, ouais, blanc. Il nous reste quand même quelque chose. Bonus capacité de bras robotisés, ça m'intéresse. Bon, on va commencer par force de freinage 5. Voilà. Ça, c'est reparti. Bon, le souffle ne va pas tarder. Et nous, on continue à extraire cet uranium. Alors, quand c'est bleu, hop, on se met en fusion, il n'y aura pas. Là, oui. Là, on va effacer et on continue dans la nuit claire et obscure jusqu'à ce qu'on comprenne ce qu'on fait. Donc ici non, ok, donc là on va supprimer ici, nouvelle ligne de prod, on va continuer sagement. Nom d'un petit uranium. Là ça marche et puis là non. Bon, c'est parfait. Alors là faut être rapide, il n'y a que en haut que c'est possible. Yes. C'est ce qu'on va faire, on va finir comme ça. Et je n'ai plus d'unité minière par contre, c'est pas cool du tout. Si je peux en avoir, je sais pas moi, une vingtaine. On va attendre que ça revienne. De toute façon, est-ce que je peux faire... Il faudrait que je sois en vrai. Bon, l'acide ici. Le soufre est là. Qu'est-ce qui te plaît pas encore? L'eau n'est pas là. On a un problème avec l'eau. Voir ça. Ou est-ce que ça coince? Parce que tu es en dehors de la zone logistique, mon tech. Oh, punaise. C'est tout. C'est pas méchant, ça va. On est zen. C'est le détail qui tue à chaque fois. Où est-ce que je suis le plus droit? Voilà, sans courant, il n'y a pas de vie, il n'y a rien du tout. Et nous, on va en faire plein. Chance qu'on aura... Prochain épisode, prochain live, parti comme ça, à la vitesse où je vais. Tu vas jusque là, et ça ne te suffit pas. Ça ne te suffit pas. On va le mettre là. Paf. Voilà, ça va pas tarder. On espère. Alors nous, on va essayer de finir l'uranium avec le compte-goutte. Non, il veut pas, parce que j'en ai pas en stock. Oh, c'est pas possible. C'est pas grave, on va finir bleu tapis quand même. Hop. On va connecter du coup... Bah, ça, c'est bon. On s'amuse comme on peut, hein. Je sais même pas si on va fusionner, dis donc. On va faire ça le plus propre. Hop. Là, ici c'est pareil. Toujours un convoyeur souterrain, punaise.
Ça, c'est OK. Ouais, bah si, finalement. On a tout employé, sauf celui-là. Voilà, ça, on n'a pas besoin. On est OK. Allez, le temps que l'eau se fasse, nous, hop, on va connecter l'uranium. Est-ce que par hasard c'est bon? Après, on espère avoir assez de tir 3. On va peut-être arrêter d'abuser avec ça. Donc là, c'est OK. J'en ai en poche, c'est bon. Voilà. Bon, là, c'est pas utile. On va finir par mettre du courant ici. Oh, ça m'a l'air bon. Ça m'a l'air bon. Voilà. Et évidemment. Acide. Serait-elle plus intelligent? Voilà, on va connecter comme ça. On va laisser la logistique se faire. Et alors, où en est-on avec la flotte? Il me manque la pompe. Je suis sûr que c'est ça qui le bloque. On va y aller nous-mêmes, on va gagner du temps. Punaise. Et nous, pendant ce temps-là, ça y est. Hein. Force de freinage, c'est terminé, ça va plus vite, c'est cool. Robot par personnel, niveau MK2. Ok. Est-ce que c'est pas avec la touche Shift? Oui, c'est avec la touche Shift. Ah bah voilà. Paf, allez, on les balance tous. Je me demandais l'autre fois comment on faisait une suite. On va toutes les lancer à la fur et à mesure. Et nous, pendant ce temps-là, la pompe côtière, elle est cachée ici. Ah oui, il me l'a mis. J'en avais. Ça y est, l'acide sulfurique arrive. Punaise. Est-ce que j'en produis assez? Pas des masses. Est-ce que j'en ferai pas plus? On va te mettre là. Mais en tout cas, ça y est, on a réussi à extraire l'uranium. J'avoue. Voilà. Comme ça, on va connecter là-haut, on va déconnecter là, est-ce que je mettrais pas une pompe? On va voir si tout l'uranium devient vert, ici c'est OK, pourquoi là? Parce que là c'est pas encore branché, c'est normal. Après, c'est bon. Faut un certain temps. Voilà, ça arrive, c'est pas loin des magasins. Parce que là, c'est bon, hein, ça se remplit bien. Ça y est, ça va remplir. Et du coup, les mineuses... Voilà. Il y a assez d'acide sulfurique. On pense qu'on est bien. Super bien. Et ça produit. C'est bon. C'est un cercle vicieux, pas vertueux, vicieux. On extrait enfin l'uranium. Punaise. On va réfléchir 2 secondes. Est-ce qu'on a le temps du coup d'étudier l'extraction? Ce serait pas mal.
La centrifugeuse, l'uranium, on veut de l'uranium, processus, pas d'enrichissement. Pas encore. Bon, on va poser une centrifugeuse. Est-ce que je peux en avoir sur moi? On va demander des centri. On va demander, si tu veux, 50. On s'en fout. Le reste, je m'en occupe pas pour l'instant. On est bien. Par contre, les robots de construction, je vais les virer ou pas? Non. Non, il va me falloir des bras blancs pour pas manquer pendant le pattern. Voilà. Alors, je ne suis pas d'accord. On va se bouger. Et on va juste voir comment extraire. Et on va présenter ça pour le prochain live. Parce que là, ça fait un max, je pense. Je pourrais pas plus. C'est déjà pas mal. Allez, dans les magasins. Les petits droïdes, là, ils portent des choses. Me dis pas qu'on n'a pas encore fait, hein. Et là, je vais me retrouver sans rien. Les sentries ne sont toujours pas arrivées. Est-ce qu'ils en portent? Oui! Les premières centrifugeuses sont là. Les bras. Voilà, merci. J'en ai que 7. Ah bah écoutez, le temps que je vois en off pour la prochaine live, on va au moins explorer un peu ce qu'on peut faire avec ça. On va se mettre ici, je pense. Voilà. J'avoue, je vois plus rien. Hop. Voilà. Ça va être fait. Alors, une centrifugeuse, c'est pour le fun. Si on se met ici. Voilà. On va même descendre du Speedertron pour explorer ça. Avec une centrifugeuse, enrichissement, je ne veux pas, ce sera après le Covarex. Nous, ce qu'on veut faire, c'est simplement... Ah, ça, c'est Covarex. Pour en avoir de plus en plus. Okay. Une centrale nucléaire aura besoin, elle, d'uranium 235 et un petit peu... je crois que c'est que du 235, l'ultra raffiné. Et de base, on a l'uranium 238, mais on va faire le truc de base, du coup. 10 minerais d'uranium donneront 0,7% de chance d'uranium 235 et quasiment que du 238. Donc on verra au prochain épisode comment avoir énormément de 235. Ce sera l'enrichissement Covarex. Nous, on fait ça. Bêtement. Et on va faire ce pattern. On va dire au Speedertron de venir avec moi par là. Et il faut bien commencer à bosser. Du coup, on a que 3, 6, 7. Ouais, on en a pas plus pour l'instant. Mais ce n'est pas grave. Parce que là, c'est que du minerai. Et du coup, on s'embête pour pas grand chose. On va lui faire un tournilol. Et on va les nourrir. Voilà. Est-ce qu'on mettrait pas des bras verts? Si, puisque maintenant on est aux centrifugeuses et qu'il en faut par dizaines. Voilà, on va faire ça comme ça. Et en sortie, on aura... On peut mettre là, pourquoi pas... hop, on va mettre un premier coffre logique. Paf, paf et paf. Là, j'ai pas de pattern précis. On s'amuse. On va juste centrifuger. Voilà. On va attendre que ça arrive, tout ça. Tu crois que j'aurai des radiations en centrifugeant? Je ne pense pas. Après, je porte quoi comme armure? L'armure de puissance MK2. Oh, j'y crois. Ça y est, j'ai une santé de plus, cool. Alors attends, on va faire ça. Hop. Hop. Voilà, là. Ah bah voilà.
ça y est, c'est parti. Ils ont commencé à prendre le minerai, ça charge et ils vont me sortir de temps en temps autre chose. Alors ce qu'on pourrait faire... on pourrait mettre un blanc. Histoire de pas s'embêter. On veut récupérer l'uranium 235 qui va être très rare. Paf. Et on va péter évidemment ce petit jouet. Puisqu'il faut être dans une logique pour que ça obéisse. On va continuer comme ça. Voilà. Nous on arrive là. On va attendre que ça pop. Alors, le temps de centrifugation, il nous sort très très peu. On voit rien pour l'instant. Parce que je n'ai rien mis en sortie. Ça tombe bien. On va aller plus vite. Voilà, parce que sinon on va attendre une heure que les drones arrivent. Et dans celui-là, on va dire que c'est filtrable et on veut le rare auquel on tient. On veut l'uranium 235. Il en faudra un petit peu. C'est parti. Et on voit le logo uranium 235 sur celui-là. Et dans le reste, on gardera l'uranium de base. Et on va sortir avec quoi ? On va garder les bras verts, parce qu'on aime ça. Voilà, c'est la première étape. Et on est sympa. Voilà, et pour l'instant, eh ben, on n'en a pas. On a 25 uranium 238, ça commence. Eh ben, il n'y a plus qu'à espérer. Ah, en voilà un. Est-ce que mon filtre marche ? Eh oui. Et il va m'en falloir... 40 pour pouvoir commencer à faire de l'enrichissement. Donc vous voyez, ça va tourner un petit peu. C'est la première étape. C'est pas difficile. Faut pas faire comme moi, faut penser à l'acide sulfurique. La pression est bonne, 100%. Voilà, et bah du coup, on extrait enfin l'uranium. Est-ce que j'ai plus de centrifugeuse? Pas vraiment, mais ça je vais le voir en off. Du coup, YouTube, Twitch, on va arrêter là. On va se retrouver dans un prochain live où on va faire de plus en plus d'uranium 235 et on va faire péter la centrale nucléaire. Je ne sais pas si Alex Korn, tu fais avec Kovarex en opti, mais on va le voir ensemble. Il manque la recette de la dernière centrie. Merci, je ne l'avais pas vue. Voilà. Et là, peut-être qu'on pourrait quand même finir vite fait. Je m'emballe. Les modules. Ça serait peut-être très bien d'avoir ça quand même. Ah ouais, ça voudrait dire qu'on va devoir écarter chaque centrie pour optimiser un peu plus, par exemple, la vitesse et la productivité. Imaginons. Est-ce que je me prends la tête maintenant ? Oui. Je me connais. On va juste finir ça, ça me plaît pas. On va augmenter, du coup, la puissance. Passe. Voilà. On fait comme ça, on en met une là, on en met une là. Ici, on peut mettre quoi ? Tout est accepté. Eh ben, écoute, on va mettre... Il va falloir travailler sur la productivité 3, mais on va déjà mettre la 1. Voilà, on va se faire un pattern. Tac. Et ici, j'ai que du 1. Il va falloir qu'on fasse du 3 de chaque. On va mettre le petit poteau qui va bien. On est OK. Et là, on va le copier. Là, on va le copier. Paf. Il pourrait faire ça bien comme ça. Je l'ai mal copié, même. Attends. Voilà. On va l'inverser.
Et là, on est bon. Voilà, on va retravailler ça, évidemment. Donc, c'est un équilibrage. Si je reprends bien. Voilà, je vais pas m'en soucier. Et comme ça, je suis super content. J'en ai combien ? 2, 4, 6. Ça fait 12 centrifugeuses déjà. On pourrait partir comme ça. Je réfléchis à comment je vois le truc. De toute façon, il va nous en falloir dans le bon sens. Alors on va virer ça. Puis disons que voilà, le premier vient là, le deuxième vient ici. J'ai même pas besoin de faire ça en fait. Je m'embête vraiment. Hein. C'est là que tu sais qu'il faut arrêter. Voilà. Et on pourrait recopier. Recopier tout ça et extraire le maximum du coup. Ah ouais, il a le minerai qui arrive là. Oh, on va même mieux que ça alors. Voilà. On aurait même assez de minerais pour alimenter toute cette série-là. Et je pourrais même prendre le quatrième après, retravailler et faire plein, plein, plein. Ça, c'est pour vraiment centrifuger au départ. Eh ben, on verra l'opti la prochaine fois. Je veux juste attendre que ça construise bien. On est dans la zone constructible, on est pas mal. On est prêt à prendre tout ce qu'il faut. Et on en a déjà combien là du coup? On en a que deux, tu vois. Que deux. Et à moi d'améliorer tout ça avec les modules, du coup, pour optimiser la vitesse, la productivité. Les recettes sont copiées en blueprint, tout est bon. Et mon chat me réclame. Et que font mes robots? Bah, ils arrivent. Voilà, c'est le final. On va les laisser faire. Juste pour avoir la beauté de la chose. Et je vais peut-être faire en off un truc, c'est avoir mes modules de productivité 3, niveau 3 et vitesse 3. Comme ça on sera prêt pour la suite, pour qu'on varie, on va en consommer un max. Je vais juste faire ça en off, comme ça on sera prêt. Voilà, on va bouger un peu le speeder tronc. Mais on n'a pas encore beaucoup de centrifugeux, donc non, il faut qu'il bosse. Voilà, l'uranium arrive, ils se servent, les centrifuges. Bah ça marche. De plus en plus. Voilà. Là c'est pas utile en fait ce que j'ai fait. C'est pas grave ça. Et nos petits robots sont contents. Voilà, encore d'uranium 238 qui sort. J'en ai que deux, comme ça. Ah bah y a plus qu'à, faut construire. On est en train de purifier le minerai, c'est cool. Eh ben écoute, YouTube, ça y est, cette fois c'est pour de vrai. On va sauvegarder. Il faut savoir arrêter. Et moi, Twitch, eh ben, je vous dis aussi à une prochaine. Je vous souhaite à tous un bon après-midi. L'usine à Sentry n'a pas encore bugué à cause des bras. Non, pas encore à Ragatz. On verra. On va remettre la musique à fond et je vous dis au prochain live pour le Kovarex. Bonjour à tous. Bye bye tout le monde.